Daniel, merci d'avoir payé ma moto. Payer ta moto, ça c'est quoi? C'est quoi ça, payer ta moto? C'est rien, c'est normal. C'est normal. Assieds-toi, prends place. Que puis-je t'offrir? Tu veux quelque chose de glacé? Nous avons de l'eau glacée, une eau vraiment très fraîche. Nous avons aussi... Daniel! Nous avons du sobo et du bonu. Daniel! Je ne m'attendais pas à ton appel. Ok. Alors, peux-tu me dire pourquoi tu voulais me voir si urgentement? Tout d'abord, avant que je n'aille droit au but, je dois te complimenter. Tu es vraiment très belle. Au point où... J'ai envie de te manger. le truc c'est que... Il y a quelque chose de très important que je veux qu'on discute. Ok. De tout de suite. Oui. Je veux que tu m'accompagnes. Qu'on aille voir ma mère. C'est fête de Noël. Attends. Danny. Hein? Mon Dieu. Ça doit être une blague, n'est-ce pas? Attends, genre, oh mon Dieu, tu veux m'amener chez ta mère? Oui, on ne blague pas avec ce genre de choses. Mais quoi? Le truc c'est que, ma mère veut que je vienne avec la femme que je vais épouser. Que j'aille au village, que je vienne avec la femme qui va entrer dans mon cœur bien, bien, bien. Celle que je vais dire que j'épouse. Elle m'a dit de venir avec elle au village. Et tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi? Tu ne comprends rien. Tu ne comprends vraiment rien. Ce n'est pas comme si, pour dire vrai, tu commences à entrer dans mon cœur petit à petit. Mais quoi? Dis-moi, Danny, quoi? Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas t'épouser. Non, tu ne peux pas dire, Seigneur. Parce que je veux juste te présenter à ma mère. Lui montrer la femme que je vais... Tu te tais? Ta coiffure n'est pas belle. Prends mon chapeau, ça va donner un sens à ta coiffure. Dégage! Apparemment, tu ne comprends rien. Je vais bientôt changer avec toi. Je te supplie pour une petite chose comme ça, au lieu de rester tranquille et me regarder. Tu n'as rien dans la tête. Nora, mais qu'est-ce qui t'arrive? Nora. Ma puce. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma puce, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Aucune idée. Elle ne veut rien me dire. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as l'air aussi triste? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Nora, s'il te plaît. Nora! Madame, bonjour.
Le petit déjeuner est prêt, oh. Moi, je me réveille avec ça. Ah. Sœurette. Sœurette. Honnêtement, je ne sais plus où j'ai la tête. Attends. Il a osé. Non, il n'a pas osé. Parce que je sais que, généralement pour toi, le sexe est au troisième rendez-vous. N'a-t-il pas assuré au point que tu as décidé de mettre un terme à la relation? Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu continues cette connerie. Et pourquoi tu joues à la femme de maison. Toi, une femme de caractère. Non, sérieux, Frangine, je ne comprends pas. Alors, fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre, parce que, honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, crois-moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais te faire comprendre. Tu te rappelles quand on était plus jeune, tu avais la phobie des hommes? Combien le fait de rester dans la même pièce qu'un homme te donnait des crises de nerfs? Et qu'est-ce que cela a-t-il à voir avec moi? Très bien. Alors, écoute. Daniel a la phobie d'être un jour papa. Ou d'être responsable d'une femme. Il a tellement peur d'expérimenter à nouveau quelque chose d'horrible. Et comment es-tu sûr que ce n'est pas cette peur des émotions qui te fait voir de la peur au lieu de la haine? Non, c'est pas ça. Allez, comme si. Tous les jours, je compte des milliards parce que je comprends très bien les gens. Je prends mon temps pour faire les choses. Allez, ma chérie. Tu sais que je suis psychologue. Comme ça, c'est ton devoir de le guérir ou quoi? Ah. Eh bien, j'aurais aimé qu'il apprenne à faire face à ses peurs. J'aurais aimé qu'il comprenne qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Peur de ses responsabilités. C'est sérieux, ça. C'est vraiment sérieux. Je prie que ça marche. Je prie vraiment que ça marche. Et comment es-tu sûr que ça marchera? Comment? Je le sais. Je sais que je peux le faire. Tu sais que ta mère ne sera pas d'accord avec ça. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais qui elle est. Nora, riche ou pauvre, tu restes ma fille et rien ne pourra changer ça. Le 5 septembre 2005. Nora, tu n'oseras pas. Tu ne laisseras pas ta mère vivre ce genre de traumatisme. S'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça à ta mère. Regarde-moi. Nora, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire une telle chose. Madame Cindy, que s'est-il passé le 5 septembre 2005? Quelqu'un est-il mort? Ça se reproduira, si je ne réussis pas à l'arrêter. Ah. Aujourd'hui, elle s'est remise, mais elle refera ce qu'elle a fait là-bas. Et elle a tout l'argent dont elle a besoin pour disparaître avec ce salaud. Kamsi, allons-y, s'il te plaît. J'ouvre le portail. Hey, je ne peux pas la laisser. S'il te plaît, calmez-vous. Aide-moi à l'arrêter, calmez-vous. S'il te plaît. Calmez-vous, d'accord? Je vais essayer. Essaye de l'arrêter. S'il vous plaît. Nora, s'il te plaît. Nora! 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 Essayez. Je t'en prie, ne fais pas ça à ta mère. Du calme. Je t'en prie. Je vais essayer de lui parler. Calmez-vous. Calmez-vous.
Non, Nora! Ma chérie, écoute. Seigneur, je suis... Très bien, j'essaye d'être forte. Écoute, je vais me changer dans mon appartement. Je ne peux pas porter ça. Pour aller voir Danny. Allez! Dépose-moi ou je vais me changer. Ainsi, tu reviendras avec la voiture. Ma chérie, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça à ta mère. T'inquiète, tu le feras. Je n'aime pas te voir comme ça. Nora, es-tu sûre de vouloir le faire? J'espère vraiment que oui. J'adore cette chanson. Nora, sais-tu que tu fais pleurer ta mère? Elle peut pleurer toutes les larmes de son corps. Je m'en fous. Puce, regarde. Je vais me changer là-bas. D'accord. Cet endroit est magnifique. C'est mon endroit secret. Ok. Honnêtement, Nora, je ne suis pas fière de ce que tu fais. Tu n'as pas de choix. C'est ma vie. Après tout, t'es une grande fille. Oh mon Dieu. Ok. Personne ne peut plus acheter cette chaussure. Je vais la vendre. Coucou, elle est déjà délavée. Je vais juste la teindre en noir. Semelle en noir, l'intérieur noir et les lacets en noir. J'espère seulement que tu ne vas pas la vendre à un militaire. Écoute, si je vois un militaire, je vais l'enlever. Il va acheter une chaussure blanche. Arrivé chez lui, chaussure noire. Il va laver et elle devient blanche. Après l'avoir, la vie viendra nous arrêter. Il va l'acheter. Ça ne me concerne pas. Écoute, mon pote, écoute, oui. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé cette opportunité. De quelle opportunité tu parles? On dit que la chance ne se présente qu'une seule fois. Alors, mais pourquoi? Je ne comprends pas. La vérité, c'est que, pour une fois, je ne vais pas mentir. Tu vois cette fille, hein? Cette fille m'a tapé à l'œil. Je ne vais pas mentir, elle me plaît vraiment. Je ne veux pas la nourrir d'espoir. Je vais être vrai envers elle et envers moi-même. Parce que je ne veux pas vivre le genre de vie que mon père a vécu. Je ne suis pas comme lui. Écoute ce que je vais te dire. Écoute très bien, hein? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Approche-toi d'elle. Essaye. Écoute, si tu l'aimes, je suis sérieux, tu vas développer des sentiments pour elle. Est-ce l'argent qui développe l'amour ou encore les sentiments? Comporte-toi. Elle arrive, ferme ta bouche. Salut les gars. Hey, Nora. Vous êtes prêts? Oui. Oui, il est prêt. Ok, alors. Il est prêt. Non, ces chaussures ne sont pas pour... Ouais. Ce n'est pas pour le village. Votre commerce. Oui, c'est pour le commerce. Je la lave et puis je vais la repeindre. Ok. C'est bien, mais Danny, allons-y. Oui, je suis prêt. Danny, va chercher ton sac. Va chercher ton sac. Nora, il m'a dit ce qui s'est passé. Et puis, il m'a aussi dit comment tu as réagi. Essaye juste de te calmer, hein? C'est bon, Dewey. Je suis désolée, Danny. Je t'ai sûrement fait de la peine. Désolée. Alors, j'ai décidé de voyager pour le village avec toi. De me comporter comme ta femme. C'est vraiment superbe. Hey, cette femme. Ma chérie. Tu acceptes de faire tout ça pour moi? Même si au fond de toi, tu sais que
Je ne t'aime pas vraiment. Danny. Hein? L'un de nous doit être fort pour faire vivre nos sentiments. Je ne m'avoue pas vaincue. Parce que je suis... je dirais plutôt parce que j'ai été blessée. Oh, je ne me laisse pas abattre par quelque chose. Oh, tu es vraiment merveilleuse. Alors allons-y, nous sommes déjà en retard. Laisse-moi prendre mon sac. Oh. Oui. Vite. Donne-moi une là. Dépêche-toi. Eh oh. Écoute. Je ne veux pas... Mon conseil, hein, c'est que tu essayes de te calmer. Hein? Tout ce qu'il te dit, accepte-le. Et crois-moi, un jour il finira par t'aimer. Hein? Fais juste tout ce qui lui plaira. Tu sais comment te comporter comme une bonne femme. Il faut juste le faire. Fais-le pour lui. Et un jour, il finira par t'aimer. Hein? Merci, Johnny. Ne t'en fais pas. J'y arriverai. Tu es sûr? Bien sûr. Johnny! Hein? Si tu parles à ma chérie, rassure-toi de ne pas la toucher. Non, je ne la touche pas. Est-ce que je t'ai touché? Non, je ne l'ai pas touché. Ok, donc, alors... tu as compris, hein? Il faut juste... d'accord. S'il te plaît, dépêche-toi. Because of money, I can't fear to fall in love. As you know, getting money, you want to fall in love. Who you want to impress? Ooh, I don't make your face. No one to love again. No. Love will have to wait. Make I make money. Oh. I don't make your face. I know they love. Mon fils. Mon fils. Maman. Maman, je suis là. Maman. Oh, waouh. Est-ce que je rêve? Maman, tu ne rêves pas. Est-ce que je rêve? Non, maman. Maman, à ce niveau, à ce niveau, je me dois de faire une présentation officielle. Cette jolie fille ici. Cette magnifique pomme que tu vois. Cette demoiselle que tu vois. Ne me fais pas languiner, vas-y, parle. C'est la personne que je vais épouser. C'est ma future femme. Daniel, mon fils, bon après-midi, maman. Bienvenue, maman. Hein? Comment ça s'est passé? Tu as oublié qui suis-je? Daniel, mon maman. Fils. Daniel, mon propre fils. Ouais, Yunga, nous, non, non. Daniel, tu me confirmes que t'es mon fils. Oui, maman. Ma fille. Maman. Bienvenue. Daniel. Maman. Tu m'as amené une femme. Oui. Tu m'as amené une femme. Oui. Tu m'as amené une belle femme. Maman, je veux... En fait, son nom, c'est Laura. Mais j'ai changé son prénom pour Nora. Mais maintenant, je l'appelle... Ojogana Waleze. Ou, je l'appelle Nchankutanjasar. Daniel, oui, maman, tu es très heureuse. Dieu merci. Oh, oui, mes oh. ancêtres, vous vous êtes souvenus de moi. Seigneur, finalement, tu as fait que ça arrive. Hein? Il faut au moins Google. Oui, maman. Il faut au moins Google. Maman. Il faut au moins Google. Il faut au moins Google. Il faut au moins Google. Maman, je vais te jeter l'argent dessus. Oh. Mais le truc, c'est que tu vois mon argent. C'est compliqué. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Regarde ce que je voulais, tu me l'as finalement donné. Merci. Fais un tour, laisse maman te voir. Ah, Fugomia. Ah, Fugomia, coucou, coucou. Maman, vous lui faites une élite. Oh, wow. Daniel, mon fils. Maman. Je n'arrive pas à le croire. Hein? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais rencontré à chaque fois que je suis venue chez toi? Maman, le truc, c'est que... Je n'aime pas le distraire. Je préfère aller le voir au marché. Hein? Isibo Mwado. Maman, la vérité, c'est que cette personne que tu vois là, en fait, elle se lève très tôt le matin et va ouvrir ma boutique à ma place. Et elle nettoie aussi partout. Elle m'aide à choisir les articles que je vais vendre. Et plus tard dans la nuit...
Elle vient à la boutique pour s'assurer que tout va bien avant de rentrer chez elle. Ce qui veut dire qu'elle est le cerveau derrière ton activité. Hein? Oh. Ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui tu aies évolué. Tu as oublié qui je suis. C'est toi, mon fils. Mais, maman, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, ma fille. Et merci beaucoup de m'avoir accepté. Pourquoi ne devrais-je pas t'accepter? Hein? Ça, c'est ce que j'ai attendu depuis des années maintenant. C'est ce que j'ai attendu depuis des années. Ok. Sois la bienvenue. Merci, maman. Je suppose que vous devez avoir faim à présent. Mm-hmm. Permettez-moi d'aller préparer le haricot que je m'apprêtais à préparer, hein? Ah, ok. Pour cette nuit, c'est moi qui vais faire à manger. Ok. Mais dès demain matin, elle entre à la cuisine. Tu vas remplacer Nora. Maman, Adjougana, elle doit montrer de quoi elle est capable. Aïe, 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 elle m'a talaisé. Merci, maman. Na, wow. J'ai réussi. Ce petit scratch, elle est là. Comporte-toi bien. Chapouloué. Naya. Allô, Kamsi? Ouais, je vais bien. Je vais très bien. Mais ça ne sera vraiment pas facile. Ça ne sera vraiment pas facile, honnêtement. Mon Dieu, je suis si... Oui, je suis tellement fatiguée. C'est une expérience, vraiment. C'est vraiment quelque chose que je ne sais comment expliquer. Prendre des transports en commun, pas de climatisation, rien du tout. Beaucoup de gens dans le bus et tout ça. Ah, Seigneur, on a même pris une moto pour la maison. Une moto pour nous deux. Seigneur... Attends un instant, je vais tout te raconter. Après tout ça, sa mère nous a très bien accueillis et elle était vraiment très contente. Et moi aussi. Oui, je suis contente. Alors et toi, ça va? Et maman? Oh, ok. Je dois te laisser. Prends bien soin de maman et toi, ok? Je serai bientôt de retour. Je te mets au parfum de tout, hein? Bye bye, bye bye. Mais comporte-toi, non? Hein? Fais attention, tu mets tes pieds. J'ai déjà trop marché. Ah. Tu recommences à quoi me déranger? Pourquoi tu portes mon chapeau, non? Que je te la remette? Jamais. Tu te moques de moi. Ah. Essaie de te détendre. Allez, viens m'embrasser. Arrête avec tes bêtises. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Comme je te disais, si tu passes de ce côté, tu verras la famille de Obi. Viens. Je ne veux pas que tu m'arrêtes. Qui est-ce qui a déposé ce récipient? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Viens, il y a quelqu'un ici. Comme je disais. Hé, hey, maman. Maman, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon fils. T'es de retour? Sois le bienvenu. Allô, d'accord. Oh, maman, je te comprends.
Eh waouh. Maman, bye bye. Eh waouh. Maman. S'il te plaît, où as-tu trouvé une telle fille? Hein? Je veux dire, depuis hier que vous êtes arrivée, je m'interroge. Ne pense pas que je fais semblant de faire semblant de l'accueillir. Tu dois voir à quel point nous sommes pauvres. Mais il y a quelque chose chez cette fille, hein? Ne dis pas que ta mère parle beaucoup, mais elle ressemble à toutes ces filles qu'on voit dans les rues en ville. Ces filles qui couchent partout avec les hommes, c'est comme ça que je la vois, c'est ça. Maman, comment peux-tu dire ce genre de choses, hein? Suis-je un idiot au point de me mettre avec ce genre de femme? Mais, tu sais, le truc c'est que... Maman. Oui, ma fille. Maman, t'es... Daniel. Ma chérie. Alors, ça va? Le repas est prêt. Alors, viens manger. Maman, tu entends ça? Mon fils. Maman, le repas est prêt. Ok. C'est compris. Ok. J'arrive dans un instant. Ok. Oh, ça, c'est bien. Hey, maman. Mon fils, Daniel, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? C'est bon, ça va aller où? Bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bois de l'eau. Gomme. Désolée. Maman. Ça va aller? Ne t'inquiète pas, okay, ça va aller. Permets-moi d'aller le servir. Ok, ma fille. Maman, comme tu le constates, comme tu peux le voir, j'ai fait le bon choix. Tu vois? C'est exomodoku, exomodoku, non? Nora. Tu m'as fait peur. Nora, je suis vraiment désolée de t'avoir fait peur, mais... Je m'interroge. Comment as-tu fait pour puiser autant de force et... Pour faire à manger à la famille de mon mari? Préparer, nettoyer la maison? Allez. Ce n'est vraiment pas ça... Car tu sais que toi et moi, nous ne sommes pas... Mari et femme, je sais que c'est ce que tu voulais dire. Dis-moi, comment voudrais-tu que je joue le jeu, si toi-même tu ne le fais pas? Ah, eh bien... Eh bien quoi? Vous êtes en train de vous bagarrer? Non, maman. Mais non, on ne bagarre pas. Ouais. C'est quoi, mais non. Tu sais que ton fils est têtu. Maman, j'étais juste à Katès. Oh, Bicobanos, moi. Oui, maman. Ma fille... Qu'est-ce qu'on mange ce matin? Eh bien, ça c'est mon petit secret. Mais je peux te rassurer que tu vas lécher tes doigts. Oui, maman. Je l'espère. Oh, waouh, maman. Tu en fais un peu trop. C'était le plan. Tu joues plus qu'il n'en faut. Toi, je vais bientôt changer avec toi. Laisse-moi passer. Non, on te demande de jouer le jeu. Tu es là à te surpasser. Mais où est passée cette fille? Je commence déjà à avoir faim. Nora, oh... J'arrive, Nora, maman. Apporte-la. Dépose-la. Oh, kwakurakube, oh. Makan, mon bébé. Assieds-toi, ma fille. Hey, Nawao, ça donne vraiment envie de manger.
C'est bon? Bonne Anya, la façon dont tu prépares, tu n'arrêtes pas de me surprendre. À chaque fois que je goûte à ta nourriture, c'est très bon. Comment fais-tu pour aussi bien cuisiner? Maman, je mets mon cœur à chaque fois que j'ai envie de préparer pour quelqu'un. Attends, tu mets ton cœur dans la nourriture? Maman, non, pas vraiment. Eh bien, je voulais dire que je le fais avec tout mon cœur. Je prépare avec tout mon cœur, avec tout l'amour que j'ai en moi. Je comprends maintenant. Maman, laisse-moi te nourrir. Me nourrir? Oui, maman. Non, je suis assez solide pour me nourrir moi-même. Ne t'inquiète pas, ma fille. Ne t'inquiète surtout pas. Maman, tu sais que t'es la meilleure maman du monde. Merci. Ok, maman. Allez, bonne dégustation. Laisse-moi aller manger mon repas. Ne t'inquiète pas. Ok. Merci. Ce repas est vraiment succulent. Daniel, lève-toi tout de suite. Seigneur, Dani, tu ne peux pas dormir là. Allons dans la chambre. Tu vas me dire où dois-je dormir dans la maison de mon père? Oh, tu as pensé à maman? Maman est couchée là-dedans. Et même comme ça? Ma mère ne peut rien faire. Elle n'a aucun droit de me dire où je dois dormir. Elle ne peut rien faire. Et quant à toi, je veux que tu saches que cette maison sera Nollywood demain. Il y aura beaucoup de scènes à jouer. Alors je te conseillerais d'aller te coucher à l'heure. Il ne faut pas que, quand on dira action demain, tu commences à bâiller. Si tu essayes, je vais changer avec toi. Sais-tu que je peux changer d'avis? Seigneur. Bonne nuit. Allons-y. Allons-y. Si tu me désobéis encore, je te jure, ça sera toi et moi. J'ai remarqué ton visage. Je le jure. Tu as remarqué mon visage et même ma tête, Lève-toi de là, Seigneur. Bonne nuit. Danny, mais viens. Tu ne viens pas? Non, cette fille, je vais bientôt changer avec toi. You no get money and you want to fall in love. Who you want you press? Love on your mate. Ooh, I don't make your face. Ces gens ne veulent pas qu'on ait la lumière depuis le matin. Daniel. Maman. Daniel. Maman. Pourquoi cries-tu? Moi, crier? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Pourquoi est-ce que tu dors ici? Quand je sais que la femme que tu as amenée ici est dans la chambre en train de dormir. Maman, j'étais en train de regarder un programme à la télé avant de m'endormir. J'espère que c'est vrai, oh. J'espère vraiment que c'est vrai parce que je sais qui tu es. Hein? On en est bâton, Nogonogo. Allez, dans la chambre. Ah, cette femme. Tu ne sais pas ce que tu fais ici au salon. Va dans la chambre. C'est quoi ça? Va dans la chambre et prends soin de ta femme. Ok, Tico. Vas-y.
Totok. Vas-y. You no get money and you want to fall in love. Who you want to impress? Love on your mate. Ooh, I don't make your face. I know they love again. Poverty and disease. Oh, be a matchmaker. Because of money, I can fear to fall in love. As you no getting money. You want to fall in love, who you want to impress? Ooh, I don't make your face, yo. No one to love again, no. Love will have to wait, yo. Make I make money, yo. I don't make your face, I know they love again. Ooh, who you want to impress, yo. I don't make your face, I know they love again. I'm making your face, I know they love again. Love when I am met you. Ooh. I'm making your face, I know they love again. Love will go with you. Make I make you money. I'm making your face, I know they love again. Love when I am met you. Ooh. I'm making your face, I know they love again. Money gone, back it for granted. I'm making your face. I know they love again. I do not get the money. Who you are you impressing? I don't make your face. I know they love again. On a le quoi, moi. Mes matins ont été beaux depuis que mon fils t'a amené ici. Hein? Mais qu'est-ce qui arrive même à mon fils? Qu'est-ce qu'il fait, mais? Est-il aveugle? Il ne voit plus bien du tout. Non, je m'interroge. N'a-t-il pas vu à quel point tu es belle? Je ne comprends pas. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Hein? Pourquoi? Ah! Nawao, En fait, laisse-moi te dire, si j'étais un homme... Rien n'arrivera, maman. Rien n'arrivera. Maman, la vérité, c'est que mon bébé est quelqu'un de très timide. Il est du genre timide et tu le sais. Je savais que tu devais le défendre. Je savais que tu devais le défendre. Hein? Laisse, les jeunes d'aujourd'hui, je ne les comprends pas du tout. Pas du tout. J'avais un truc à te demander. Sais-tu comment on prépare la sauce égoussi? Pas celle que vous préparez aujourd'hui en faisant frire l'égoussi. Ou avec de l'huile rouge, fait frire l'égoussi. Ou vous prenez l'égoussi, vous mettez dans l'eau. Puis ça commence à bouillir, non? La sauce égoussi dont je parle, quand tu apportes l'égoussi, tu dois mettre de l'eau à l'intérieur, tu vois? Tu laisses l'eau à l'intérieur. Ça va former des boules. Mm-hmm. Des boules, des boules, des boules d'égoussi. Hey. Quand ça commence déjà à bouillir dans la sauce, c'est comme ça qu'on la prépare chez nous. Peux-tu préparer ça pour moi parce que c'est mon plat préféré? Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Je peux préparer la sauce égoussi? En gros, en fait, je suis experte en... En sauce égoussi? Celle avec des boules, boules, boules. Maman, celle-là, ne te fatigue pas. Hein? Moi? Pourquoi gogone?
Il n'y a rien que je ne puisse préparer. Hein? Il n'y a aucune nourriture que je ne sais préparer. Moi, maman, ça, ne t'en fais pas. Ça, c'est intéressant. Oh, quoi, Gogo, quoi? Si tu peux préparer cette sauce égoussi et la faire à mon goût, rien ne pourra empêcher mon fils de t'épouser. Je te dis, ma fille, si tu me fais cette sauce comme ça... Maman! Hé, hey, maman! T'en fais pas, hein? Te fais pas de soucis. D'accord. La sauce égoussi, hein? Je la prépare pour toi. Ok. Délicieuse comme ça. C'est fait. Amen, c'est fait. C'est fait. Oui, oh, ok, maman. Continue. Ok, continue. Maman. Kiamsi, mais décroche enfin. Ah, Kiamsi, je peux te voir. Ah, cette fille. Seigneur. Kiamsi, que fais-tu là? Arrête. Qu'est-ce que tu fais ici? Baisse ton ton. Baisse ton ton. Comment t'es habillée? Tu veux que tout le monde sache que je suis regarde ici. Regarde comment t'es habillée. Ah, mais j'ai l'habitude de m'habiller ici. Et si quelqu'un nous voyait ensemble... Tais-toi. Comment as-tu su où j'étais? Comment m'as-tu localisé? C'est bon, très bien. Oh, ton nom au plus important. Oh. Sais-tu comment... comment faire cette... T'inquiète, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Tu as vraiment beaucoup de chance que ma mère vienne de ce village. Donc je sais comment faire cette sauce. Ah, et tu me l'avais jamais dit? Hein? Parce que tu ne l'as pas fait, tu ne m'as jamais demandé de... Madame Cindy, dites-moi que ce n'est pas sérieux là. Comment puis-je jouer avec mon unique fille, avec mon seul enfant de surcroît? Je connais l'horreur par laquelle elle est passée la dernière fois que nous l'avons forcée à faire quelque chose contre sa volonté. Et je ne veux pas que cela se reproduise. Alors, pourquoi? Pourquoi, au nom de Dieu? On n'aurait pas dû la laisser partir. Pourquoi? Pourquoi Tata Cindy? Et qui a décidé qu'elle ne pouvait pas décider d'y aller et recommencer une nouvelle vie? T'as pas besoin de me le rappeler. C'est ma fille, est-ce que tu le sais? Son père lui a légué sa fortune. Et il a veillé à ce qu'elle la possède. Oh, Cindy, Cindy, j'ai vraiment très peur, là. J'ai vraiment très peur, en fait. Ah, Nora a toujours été dans la dérision. Je n'ai jamais trouvé mal au fait qu'elle n'ait pas eu de frère. Nora a toujours été plus qu'une sœur pour moi. Je ne peux pas accepter de la perdre maintenant. Je ne peux pas. Oh, Seigneur. Je sais. C'est la raison pour laquelle je voulais que tu veilles sur elle. Elle ne doit pas échapper à notre vigilance maintenant. Tu iras avec l'un de nos chauffeurs, d'accord? Ok, ok, c'est compris. Alors, que suis-je? Que suis-je censé savoir? Par où dois-je commencer? Je veux que tu sois au courant de ses moindres faits et gestes. Et que tu me mettes au parfum de tout. Je me chargerai de te transférer 1 000 000 dans ton compte bancaire au cas où tu aurais besoin de quelque chose. D'accord. Tu peux te préparer à partir, hein? Ok, ok, mais alors, et que fait-on de la police? Dois-je les impliquer ou que dois-je faire? Ouais, c'est une très bonne idée. Quand tu arriveras dans cette ville, assure-toi de te rapprocher du commissaire et fais l'effort de nous mettre en contact. D'accord? Il doit savoir que la fille d'un milliardaire est dans sa juridiction. D'accord? Ok, 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 maman. Je suis de tout cœur avec toi. S'il te plaît, sois forte. Prends soin de toi, ok? Je te donnerai des nouvelles très bientôt. Kiamsi? Oui, maman. S'il te plaît, assure-toi de faire exactement ce que je t'ai demandé de faire. Tu sais, Nora est tout pour moi. Elle est toute ma vie. Je ne pourrai jamais accepter que quelque chose de mal lui arrive. Oui, maman. Je ferai de mon mieux. Je le ferai, maman. D'accord. Gardons nos contacts. Au revoir, maman. Dis-moi où est la sécurité de la soi-disant fille du milliardaire.
C'est tellement évident que t'es à l'aise ici et que t'es même pas prête à partir loin de toi, de ton amoureux, de ton soi-disant amoureux. Bref, mon activité a failli faire faillite, tu sais. J'ai fait un peu de shopping et j'ai ajouté un peu de ton argent dans mon business. Toi alors? Il y a quelqu'un. Tu sais que t'es terrible. Quelqu'un arrive. Puis-je savoir à qui tu parlais? Chérie, moi? Quand? Je ne parlais avec personne. Tu sais que je ne connais personne dans ce village. Allez, tu essayes d'engager une conversation? Essayes-tu de jouer à la plus maligne avec moi? As-tu joué, toi? À quel jeu est-ce que tu joues? Je te repose la question. Avec qui parlais-tu? Eh bien, tu sembles m'éviter. Moi, ta tendre épouse. Je m'ennuie. Sache que je me sens seule. Hmm? Nora, tu prends cette affaire trop au sérieux. Et ça commence à bien faire. Tu ne penses pas? Non, je ne pense pas. Danny, si je n'avais pas de sentiments pour toi, je ne serais pas ici. Danny, s'il te plaît, calme-toi, tu sais que je t'aime énormément. S'il te plaît, Danny. Non. Nora, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es trop bien pour moi. Tu mérites mieux et... Je ne veux pas te perdre du temps. Danny, tu ne me perds pas le temps. Je t'aime, s'il te plaît. Je ne peux pas me passer de toi. Je ne peux pas te laisser partir. Et même si d'autres femmes ont eu à te faire souffrir, je ne serai pas comme elles. Je te promets de toujours t'aimer. Essaye d'oublier ton passé. S'il te plaît. S'il te plaît, Daniel. S'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, ok? Quoi? Quoi? S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Danny, arrête. Danny. S'il te plaît, arrête. Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ça? Viens ici, Biko. Assieds-toi. Rappelle-toi qu'on a une sauce à préparer. Allons-y. Viens là, Sorette. Sorette, j'ai vraiment peur pour toi. J'ai peur pour toi, surtout que... Tu as jeté ton tigre de milliardaire aux oubliettes pour être un homme pauvre. Tu sais que t'es folle. Biko, allons-nous-en d'ici. Allons-y. Allez, allons-y, allons-y. Vite.
Regarde comment t'es juste assis en train d'attendre que ta femme finisse de préparer la sauce égoussi qu'elle prépare. Mama, ya djedembaoula iloko. Hein? En fait, c'est de ça que je voulais parler avec toi. A-t-elle refusé de préparer? Hein? Je sais que je l'embête avec beaucoup de travail, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mama, elle ne se plaint pas. Elle ne s'est jamais plaint et elle ne se plaindra jamais. Ok, est-ce une mauvaise chose pour moi de vouloir profiter des talents de ma future belle-fille? Non, tiens. Ah, maman, hein? Tu es rentrée? Non. Bienvenue, maman. Tu vois ce que je disais? Oh, wow. Cette fille est une bonne fille. Oui. T'es très intéressante. Qui peut te voir et ne pas t'aimer? Qui peut voir cette jeune belle fille travailleuse et ne pas l'aimer? Oh, non, elle va la sang. Maman, t'inquiète, je vais chercher ton repas. Ah, waouh. Comme c'est beau de voir une femme servir son mari en premier. Mais je dois d'abord goûter à la nourriture. Maman, je goûte tu veux d'abord. Goûter? Je dois d'abord goûter à ça, n'est-ce pas moi qui lui ai demandé de préparer ça? Maman, non, c'est là. Hein? Oh, Guinidi, il faut que je goûte d'abord à ça. Puis-je m'asseoir à côté de toi? Maman, comment c'est? Maman, c'est comment? Je te réponds. Si je ne revenais pas juste de chez Mama et Kené, hein, celle qui va en manger, j'aurais dit que t'as acheté cette nourriture chez elle. Hein? Cette sauce est vraiment délicieuse. Je maman. T'assure, elle l'est. Maman, la vérité, c'est que Nora que voici, elle est la meilleure cuisinière de toutes les femmes de ce village. Et même au-delà. Ton très beau. Où as-tu trouvé une femme qui sait faire des repas délicieux comme ça? Et même plus maman. Délicieux que ce que j'ai l'habitude de préparer. Maman, c'est la première chose qu'il m'a apprise quand nous sommes tombés amoureux. Tu as oublié qui je suis? C'est quoi, non? Je l'ai très bien formée. Je l'ai très bien formée. Oui, c'est ce que je vois. Hein? Ne vois-tu pas comment je fais des éloges à ta femme devant oui. toi? Hein? N'es-tu pas reconnaissant? Ah, je suis tellement reconnaissant, maman. Maman, écoute, de toutes les façons, reste la meilleure cuisinière de tout le village. C'est Kono. Waouh. Mais qu'en est-il de ma nourriture? Maman, ta nourriture est à l'intérieur. Je vais manger tout de suite. Tu peux te servir, maman. D'accord, ma fille. Otokum. Toi, cette fille. Bien, toi, cette fille. Toi, cette femme. Tu exagères. Comment ça a changé? Ah, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Je vais changer avec toi tout de suite. Pourquoi l'as-tu fait? Je te parle, Chassiska. Pourquoi tu l'as fait? Regarde-la. Mais... Regardez cette fille. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait, mais... Je t'aime. Non. Viens que te placer devant moi. Regarde-moi ça. Regarde cette fille. Je t'aime. Et tu te dépêches de venir m'enlever ces bêtises. Regardez cette fille. Maman, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a à me poser des questions sur ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien fait, Daniel. Tu n'as rien fait. Tu penses que je suis aveugle? Comment ça, aveugle? De quoi parles-tu? C'est évident que c'est elle qui fait des efforts pour que tu l'aimes. C'est quoi ton problème? Daniel, quel est ton problème? Maman, veux-tu vraiment savoir quel est mon problème? Oui. Tu veux savoir quel est mon problème? Mon problème, c'est toi. Tu m'as forcé à amener une femme que je ne suis pas prêt d'aimer et avec qui je ne vais pas me marier. C'est ça mon problème. C'est quoi ces bêtises que tu me racontes? Pourquoi est-ce que tu perds le temps précieux de cette fille innocente? Es-tu si méchant? Non.
Je ne suis pas si méchant, maman. Et je ne perds le temps à personne. Si tu veux tout savoir, Nora a un autre copain en ville. Et elle pense que je ne le sais pas. Tu vois tout ça... Tout ceci... C'est juste... Un jeu. Juste. Juste. Un jeu. Alors, ce jeu va encore durer longtemps. Jusqu'à ce que Danny revienne ou quelque chose. Sa mère me mange dans la main. Et tant que ça sera ainsi, il n'aura pas d'autre choix. Si je le demande, c'est parce que je ne sens vraiment pas tout ce qui arrive ici. Oui, je ne sens pas tout ce qui se passe ici parce que il pourrait se rétracter et décider de faire marche arrière. Tu sais comment ça fonctionne, ces choses. Tu penses que sa mère pourrait se retourner contre moi? Sérieux? Elle pourrait vraiment le faire? Non. Écoute, mon ami. Tu sais que les hommes... Les hommes agissent parfois comme les enfants. Précisément quand ils perdent le contrôle. Écoute. Je veux juste que tu ailles doucement avec lui, peu importe ce qu'il fait. Vas-y doucement, sois calme et ne lui mets pas de pression, ok? Ah, maman? Maman, tu es là? Oh, j'étais en train... Mais t'inquiète pas. Dis-moi la vérité. Le repas est bientôt prêt, maman. Quelle vérité? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Es-tu si désespérée au point de jouer à ce jeu avec mon fils? Maman, je ne comprends pas. Je ne joue à aucun jeu. Ne me mens pas. Dieu seul sait que je t'apprécie. Oh oui, je t'apprécie. Mais me prendre pour une idiote, c'est ce que je n'accepterai pas. Maman, tu me perds complètement là, honnêtement. Écoute, je ne comprends rien de tout ça. Maman, qu'ai-je fait de mal? Tu penses que ton semblant me fera te croire? Ah. Tu penses? Et où comptes-tu aller comme ça? Rentrer chez moi. Si j'avais un homme qui m'aimait pour ce que je suis, je ne serais pas ici avec ton fils. Ma fille, le truc est que... Je ne suis pas comme les autres mères qu'on peut tromper. Dis-moi la vérité. Aimes-tu vraiment Daniel, mon fils? Oui, maman. J'aime Daniel de tout mon cœur. Et je fais tout mon possible pour que les choses marchent entre nous. Mais ce n'est pas facile. Je pense que tout ça, c'est de ma faute. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir de petits-enfants. Sans toutefois avoir considéré le traumatisme que mon fils a vécu. Ma fille, asseyons-nous. Viens.
Maman, je sais qu'il a beaucoup souffert. Mais comment pourrais-je l'aider à guérir si je ne sais pas de quoi il s'agit? Je ne sais même pas ce qu'il en est. Ma fille, je te dirai tout ce que tu voudras savoir. Maman? Maman? Et il n'y a pas la viande dans cette sauce? Mon fils, mange ton repas. Mange ton repas. Hmm? Au lieu de mourir de faim, mange-le. Naïe, maman. Je ne peux pas manger cette nourriture. Je ne peux pas la manger. Mon père a de l'argent. Comment peux-tu me donner ce genre de nourriture dans la maison de mon père? Mon fils, s'il te plaît, mange cette nourriture. Mange cette nourriture depuis que les affaires de ton père ont chuté. Les choses ne sont plus faciles pour lui. Quand ton père laisse l'argent de ration, mange. Naïe, maman. Maman. Tu vois cette chose, hein? Tu vois cette chose que papa m'a faite? Maman, tu vois, moi je te le dis d'abord. Je veux lui rendre tout ce qu'il m'a fait. Je te dis vrai, mon je veux lui rendre ça. Ah bien. Mange ta nourriture. Hein, mon fils? Naé, maman, j'ai entendu des éclats de voix entre papa et toi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père, il a encore commencé. Il est rentré en demandant sa nourriture. Je lui ai dit que j'étais donné le dernier plat qui restait dans la marmite. Il a commencé à me crier dessus. Ah! Ah! Parce que j'ai mangé le dernier plat qui restait. Oui. Il te crie dessus. Pourtant, dans la sauce, il n'y avait même pas de viande. Maman, les choses que papa fait... Moi, je n'aime pas ça, je te jure. Un jour, je vais changer mon avec fils, lui, je te jure. Ça. Il est toujours ton père, t'as pas à dire ça. T'en as pas besoin, il reste ton père. Il faut que tu te calmes. Calme-toi. Maman, s'il veut mourir, il n'a qu'à mourir. Pourquoi est-ce que tu as tué ton père? Pourquoi? Daniel! Oh mon Dieu, mon Dieu! Hey! Daniel, t'as maman, tué mon mari. Maman, hey. Pourquoi? Pourquoi peux-tu avoir le courage de te frapper devant moi? Sous mes yeux, ce monsieur te bat. Non, ça ne peut pas se produire. De ce village. Je dois te faire partir de ce village. Me faire partir, hein? Non, je ne partirai nulle part. Ça, c'est mon village. Je ne partirai nulle part, maman. Je sais ce qui serait arrivé si la police était venue. Alors, j'ai fait ce que une mère aimante aurait fait à ma place. Alors tu es parti et n'a plus jamais parlé de ça? Oui. Parce que la plupart des gens du village l'ont rejeté. Ils n'ont même pas pris la peine de demander après lui quand je suis revenue. Et qu'est-il arrivé à son corps? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis partie sans regarder derrière moi. Je suis partie pour protéger mon fils. Mais... apparemment... je me suis trompée lourdement. Ça va aller, maman. Ça va aller. Quant à Daniel, je ne laisserai pas son passé avoir raison de lui. Je vais le confronter. Je le ferai. Mmh.
N'y pense même pas. Excuse-moi. Vas-tu me dire ce que tu fais dans la concession de mon père? Celui que tu as tué. Et pour qui tu refuses de te pardonner et d'avancer. Comment l'as-tu su? Comment je l'ai su? Est-ce la question que tu es censé me poser? Tu dois faire face à tes problèmes comme un homme et avancer. Tu ne sais rien de moi. Absolument rien. Tu crois? Tu te trompes? Tu penses que je t'ai suivi jusqu'ici à cause des sentiments que j'ai pour toi? Mes sentiments n'ont rien à voir avec mes actes. J'ai vu un homme qui m'avait l'air tellement désespéré. Tu n'agis pas ainsi parce que tu le veux, mais parce que tu as peur d'être comme ton père. Tu crois avoir tué ton père? Mon amour, détrompe-toi. Parce que ton père continue de te hanter. Excuse-moi. Elle a raison. Nora, tu finiras par me tuer un jour. Hé, hey, quoi de neuf alors? Mais bon, papa, dis-moi quoi de neuf. Saïdi, dis-moi, qu'a-t-il dit? Regarde-la. T'as pas honte? Kyomerva. Laisse-moi. Nora. Tu sais, ok, bien. Tu sais, en fait, il était sous. Bien sûr, si tu le dis. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas tes affaires, excuse-moi. Je ne comprends pas. Depuis quand tu me caches les choses? Depuis aujourd'hui. C'est rien. Tu ne veux pas me dire comment c'était du genre. T'as crié? T'as aimé? Dépêche-toi. Du calme, j'ai presque fini. Ma puce. Cache-toi. Nora? Oui, maman. Maman, je suis là. Maman, Kekeme. Ma fille, je vais bien. Ne t'inquiète pas, le repas est presque prêt. J'ai déjà faim, oh. Ne t'inquiète c'est pas. C'est pourquoi je suis venue. Quelques minutes et c'est prêt. Ok. Ma fille. Maman. Ne dis pas que je m'immisce dans ton intimité. Ok. Je suis au courant de ce qui s'est passé entre mon fils et toi la nuit dernière. S'il te plaît, je suis désolée. Ne sois pas timide à propos de ça. Je suis une femme comme toi. S'il te plaît, je comprends ce que tu ressens. Surtout que tu n'es pas sûre du lendemain. Crois-moi, je comprends tout. Je veux te promettre une chose. En ce qui me concerne, mon fils doit t'épouser, peu importe ce qui arrivera. Merci, maman. Merci beaucoup. T'as pas à me remercier. Tu n'as pas à me remercier. J'ai été abusée par un mari qui n'a jamais voulu de moi. Alors je ne veux pas que mon fils finisse comme lui. C'est compris, maman. Va à la maison. Je t'apporte ta nourriture, ok? D'accord. Va continuer ce que tu faisais. Ok. Maman, j'arrive, hein?
D'accord. J'arrive avec ton repas. Nous attraper. Aïe! Dépêche! Mais dépêche-toi un peu! Un peu de patience, lève-toi et va. Va me chercher du bois. Du bois, mais où? Dis-moi où? Aïe, Seigneur! Allô? Allô, Madame Cindy? Oui, bonjour, Madame. Oh non, Nora va très bien. Elle va très bien. Non. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Elle n'a pas de problème au moment où je te parle. Elle vit avec lui. Ils vivent en harmonie. Non. Elle ne peut pas s'enfuir avec lui. Non, la mère est tout pour elle. En fait, elle l'aime plus qu'elle. Elle l'aime même comme sa propre fille. Juste à cause des sauces qu'elle lui prépare. La façon dont elle cuisine et tout. Oui, madame. J'ai les yeux sur elle. Sinon, tu n'as pas tant fait pour quoi que ce soit. J'ai les yeux sur elle. Nora est parfaitement en forme. Oui, madame. J'espère que toi aussi tu prends soin de toi. Ok, madame. Ok, pas de problème, prends soin de toi. Oui. Bye. Ah, ah. Maman, éteins. Ah. Il s'est remis à boire. Pourquoi va-t-il boire? Non, je demande. Pourquoi devrait-il boire? Je demande. Je n'arrive pas à croire que j'ai accouché un trouillard. Daniel n'est rien d'autre qu'un trouillard. Maman, calme-toi. Pourquoi devrais-je me calmer? Hein, Nora? Est-il la première personne à vivre ça? Beaucoup de personnes ont vécu ça et y ont survécu. Hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais tous ne l'ont pas fait. Certains sont morts en chemin. Tu sais quoi? Va à l'intérieur et prends ton sac. On va à Enugu. Quand je vais arriver à Enugu, Daniel va me dire le genre d'homme qu'il est. Il va me dire à moi, sa mère, le genre d'homme qu'il est. Maman? Daniel, donc tu es dans ce village? Eh, Seigneur! Daniel! Mais réponds! Daniel, donc tu es dans ce village? Hein, Daniel? Donc, tu es dans ce village? Nora. Nora, je ne voulais pas te taper. Nora, qu'est-ce que... Je suis désolée. Que fais-tu là debout à regarder comme un idiot? Mais elle fait semblant. Soulève-la et prie que rien ne lui arrive. Viens la soulever. Regardez-le. Prie qu'elle n'ait rien eu. Parce que si quelque chose arrive cette fois, je ne vais même plus te couvrir. N'importe quoi. Daniel, où étais-tu? Lève-toi, non. Doucement. Doucement. Cette fille, tu exagères. You know get money and you want to run in love. Who you want you press? Love on your head. Non. Je pense que tu as besoin de repos à cause de ton état. De quel état tu parles? Ne penses-tu pas que tu es enceinte? Je pense que tu l'es. Et toi seule peux l'expliquer. Quoi? Ah, maman, je ne peux pas être enceinte. Ah, non. Je ne peux pas. C'est vrai, ça? Est-ce que vous
deux ne vous voyez pas comme homme et femme. Ajuju Kanjo. Jésus. Tu crois que je suis stupide? Tu penses que je suis idiot? Je ne crois aucun mot de ce que tu dis. Alors tu n'es pas seulement un trouillard, mais tu es également stupide. Regarde-toi à fuir tes responsabilités comme ton père. Que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en préserve. Je ne suis pas mon père, je ne veux pas être comme mon père. Oh oui, tu l'es. Tu es comme lui. Oh. Tu l'as peut-être tué, mais tu es tout à fait comme lui. Vas-tu abuser d'elle et du bébé également? Maman, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai dit que je ne suis pas encore prêt pour me caser. Mais tu as continué à insister, hein? Toi, ne t'ai-je pas prévenu? Ne t'ai-je pas dit que je n'étais pas encore prêt à devenir parent? Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas être père comme mon propre père? Un homme qui maltraitait sa femme et son unique enfant. Daniel. Daniel. Hein? Daniel. Oui, madame. Laisse-le. Laisse-le partir. Il ne posera jamais les yeux sur mon enfant. Jusqu'à ce qu'il devienne un vrai homme. Ah, Né, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je te demande, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ma fille. Tu sais que je t'aime. Je t'ai accueilli dans ma maison. Je te veux pour mon fils. S'il te plaît. Ok, si ce n'est pas pour lui, fais-le pour l'enfant que tu attends. Tu ne peux pas le laisser ou la laisser sans père. Biko. Je te comprends, maman. Mais je ne peux pas. Écoute, maman, mon enfant ne va jamais souffrir. Hey. Il ou elle ne pourra jamais manquer de quoi que ce soit dans cette vie. Enfin, mon enfant. Il faut que je parte. Tu as réussi, n'est-ce pas? Tu as réussi, n'est-ce pas? Tu as finalement eu ce que tu voulais. Vas-tu la fermer? Vas-tu fermer ta longue bouche? Ferme-moi cette bouche. N'importe quoi. Regardez-moi cet idiot. Regardez-moi ce gars. Ne vois-tu pas qu'elle attend ton enfant et tu es là en train d'engueuler? Ferme-moi cette bouche, espèce d'idiot. Allô, Malo. Oh, enfin. Bonjour, madame. La voiture est garée dehors et ça, c'est le chèque que vous avez demandé. Vous n'avez qu'à apposer votre signature. Ok. Né, Nora, qui est-elle? Mais de quoi parle-t-elle? La voiture. Et ça. Né, y a-t-il madame? Un problème? Dis-moi, y a un problème? Regardez celle-ci, Lélé. Tu penses que je ne t'ai pas reconnue? Je t'ai reconnue depuis, écoute, hein? Je vais changer avec toi tout de suite, Nakansi. Yakamsi. Tu vas fermer ce que tu appelles bouche. Tu t'en rends compte? Estime-toi heureux que la DSS ne soit pas venue te chercher pour te foutre un taule. Oh, tu pensais qu'elle était pauvre, n'est-ce pas? Désolée de te décevoir. Tu as devant toi Nora David, la CEO Bluesoman Beauty Real Estate. Une star. T'es-tu demandé d'où venaient les 50 000 naira que tu as trouvés dans ta poche l'autre jour? Oh, tu pensais que ça atterrit dans ta poche, n'est-ce pas? Attends, Attends, donc, en fait, c'est toi qui avais mis cet argent dans ma poche? Que se passe-t-il? Maman. Maman. Voici un chèque de 500 000 naira
Prends-le. Oh. Maman, utilise-le pour prendre soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord, appelle-moi. Laisse-moi te donner mon numéro personnel. S'il vous plaît, madame, êtes-vous prête à partir? Il commence à se faire tard. Bien sûr que oui. Ok, maman, c'est mon numéro 1. Appelle-moi quand tu veux. Merci beaucoup. On y va. Nora. Nora. Hey. Qu'est-ce qui m'arrive? Hey. Je n'ai plus d'enfant. À partir de ce moment, je n'ai plus d'enfant. Le seul fils que j'avais est mort. Daniel est mort. Hey! Ewo. Ewo. Maman, Que vient-il de se passer? Maman, Qu'est-ce qui vient de se passer, maman? Maman? Je veux fumer. Je suis sans enfant. Maman? Je veux fumer. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis désolée du fait que t'aies dû vivre ça toute seule, encore, encore et encore. Entre les mains des hommes qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de respect pour ce qu'on appelle l'amour. Hein? T'inquiète pas, je suis convaincue qu'un jour, mon Dieu, te donnera l'homme que tu mérites. Cindy, Tata Cindy, tu as raison. Et je remercie Dieu que cette histoire soit terminée. Et je remercie Dieu de l'avoir amené à la maison et en bonne santé. Et aussi, je continue de remercier le même Dieu qui a veillé sur toi. Sinon, tu serais morte de crise cardiaque. Que Dieu m'en préserve, je ne mourrai pas. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que... mon ange, ma vie, soit chez elle. Elle est finalement rentrée à la maison. Et je suis super contente que ma sœur soit rentrée à la maison. Oh. Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. Une bonne nouvelle, j'espère. Maman, je suis enceinte. C'est ici que tu te trouves. Hein? Hein? Donc c'est ici que tu es. Tu ne viens plus vendre au marché. Daniel, donc tu es fatigué de ce marché, n'est-ce pas? Tu es fatigué de notre business. Pas de problème. Tu me vois, je suis aussi fatigué de ce marché. Tu comprends? Tu vois ce business, je suis fatigué. Je ne veux plus le faire. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus le faire. Parce que je ne peux pas être le seul à travailler à chaque fois. Je suis fatigué de tout ça. Tu as tué mon esprit. Je te laisse. Je vous laisse toi et le business. Je ne veux plus le faire. Je vais aller chercher un truc à faire pour ma vie. Si je suis venu ici, dans cette ville, c'était pour l'argent. Je ne peux plus continuer de rester avec toi. Je ne veux pas être paresseux. Je ne peux pas être comme toi. Je ne veux pas être paresseux. N'importe quoi, je vais aller voir ailleurs. Je t'ai prévenu, va surveiller ta boutique, tu as compris. J'ai tout abandonné, j'ai tout laissé.
Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Où est mon portefeuille? Où est mon argent? Mais qui a pris mon téléphone? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hein? Regarde ce que tu te fais subir. Mais c'est encore quoi ce genre de problème? Hein? Donc c'est comme ça que tu veux te faire de l'argent? Daniel, va te coucher dans la chambre. Va te coucher dans la chambre. Jolie, je... Peux-tu me prêter 1200? Je vais utiliser pour acheter de l'alcool. Je te rembourserai plus tard. Que je te prête 1200. Que je te prête 1200. Donc moi, Jolie, te prêter 1200. Pour que tu ailles boire de l'alcool. Hein? Mon pote, dépêche-toi. Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ne me donnes-tu pas ce genre d'opportunité? Hein? Pourquoi je n'ai pas ce genre de chance? Regarde une belle femme que Dieu t'a donnée. Une femme qui a de l'argent. Ce n'est pas juste la femme. Dieu t'a aussi donné l'argent. Mais tu la négliges. Tu es là à dire que elle n'est pas ton genre. Elle n'est pas ton genre. Hey. Jolie, je suis ton pote. Je suis ton ami. Hein? Daniel. Hein? Daniel. Hein? Cette fois-ci, je ne suis plus ton ami. Écoute. Tu n'es plus du tout mon ami. Je ne peux pas être un feignant comme toi. Je ne peux pas rester là et puis... Écoute, hein? Je pars cette nuit. Daniel, je m'en vais cette nuit. Je vais te laisser. C'est quelle histoire? Je dois rester et devenir comme toi. Parfois, je me demande même ce que je fais ici. Alors que je pouvais être là-bas à gagner de l'argent comme... Comme mes égaux qui se font de l'argent. Mais moi, je suis là. Je suis là avec toi. Je vends les babouches. Et puis, Je dois me lever très tôt. Je dois me dépêcher pour aller au marché. Je suis là, je ne fais que tourner en rond à cause de toi. Pourquoi? N'importe quoi. Écoute, j'arrête tout. Je m'en vais cette nuit. Cette nuit, j'arrête tout. Tu vas continuer tout seul. Je ne peux plus continuer de te supporter. Toutes ces paroles juste pour 1200, ok? Tu vas rester ici souffrir tout seul. N'importe quoi. Ça, c'est du vrai n'importe quoi.
Tu es là à bavarder comme ma mère. Elle bavarde tous les jours. Et qu'est-ce que ça a changé? Gardien, ouvre-le. Salut ma puce, où vas-tu? Tu sors? Oui, j'ai envie d'aller faire quelques courses. Ah ma puce, devine quoi? Quoi? J'ai vu le père de ton enfant aujourd'hui. Est-ce important? Hey, je suis censée sauter de joie parce que... tu l'as vu? Non, Nora. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce gars est très malheureux. Il est affamé. Et ivre. C'est vrai que je ne l'aime pas beaucoup. Ma puce, tu dois lui pardonner. Tu es censé lui pardonner parce que tu sais très bien que tout n'est pas de sa faute. Et c'est la faute à qui? Je veux dire, à qui la faute? Ma faute? Allez, mon cœur, tu sais que c'est pas ma faute. Bien sûr que j'ai essayé. J'ai essayé de faire tout mon possible pour que les choses marchent. Mais non. Il a refusé de se pardonner lui-même. Donc, ce n'est pas ma faute. Essaye de lui pardonner. Ah, c'est bon, essaye juste de garder un œil sur lui pendant que j'essaye de réfléchir à quelque chose. Je saurai quoi faire. En fait, c'est bon, laisse-moi juste aller faire quelques courses et je reviens. D'accord, ok. Fais attention. Je ne serai pas longue. Prends soin de toi. Sois prudente, d'accord? Ok. Fais attention. Joshua, ouvre le portail. Salut, oh. Hey, monsieur. Hein? Ah, vous mangez encore. S'il vous plaît, l'argent. Je veux un autre plat de... un autre plat de... tête de poisson. Avec 6 bouteilles. Ah. De bière. Monsieur. Hein? Les bouteilles que vous avez déjà bues, ça fait plus de 6 eaux. Écoutez, si je vous donne un plat de plus, ça fera 6 plats de sauce au piment. C'est mon argent. Donne-moi ce que je veux, dépêche. Ok, pas de problème, mais le truc est que je dois d'abord récupérer cet argent, celui des plats que vous avez déjà mangés. Allez le donner à la femme qui est en cuisine, pour la sauce au piment, afin qu'elle puisse commencer à faire les comptes, vous comprenez? Donc, je dois d'abord récupérer cet argent. Mais donnez-moi de l'argent, ainsi j'irai lui dire de me donner un autre plat de plus, que je viendrai vous donner. L'argent? Oui. Ouais. Tu vas... tu vas attendre. Quand je reviendrai demain, je vais tout te payer. Je ne comprends pas. Je dois attendre que tu reviennes demain me payer. Est-ce que c'est demain que je t'ai servi tout ça? Ne commence pas où. Tu as très bien compris. Ne commence pas où. Parce que si je te gifle, si je te gifle, ton papa risque de sortir. Et c'est à la mort qu'on va le retrouver. Mon ami, donne-moi mon argent. Tu sais, écoute, si je te donne un coup de poing, tu vas mourir. Hé, arrêtez. Je ne vois pas qui pourra m'arrêter. Oh. Arrêtez. Tu veux casser sa tête, mon enfant? Monsieur, laisse-moi. Arrêtez un peu.
C'est de cette façon que vous comptez régler vos problèmes? Mais non, ce n'est pas... Ok, comment quelqu'un peut-il manger tous ces plats, les finir et me dire qu'il reviendra demain me payer? Qu'est-ce que je vais aller dire à mon patron? J'ai besoin d'un autre plat de... tête de poisson. Attends d'abord que j'ouvre cette bouteille. Ce qui va te frapper, hein, ce ne sera pas le tonnerre. Ce n'est pas le tonnerre que tu vois. Arrête ça. C'est quoi ça? Arrête ça. Je lui dis tout ce qu'il a mangé. Il me demande plutôt de lui apporter un autre plat. Il s'agit de combien exactement? Monsieur, ne vous fâchez pas, mais êtes-vous sûr qu'il pourra me donner tout cet argent? Ce n'est pas une affaire de blague. Va-t-il me donner? Mon fils, de combien parle-t-on? Viens là, tu fais comme... Dis-moi de combien il s'agit. Ok. Tout d'abord... S'il vous plaît, monsieur, dites-moi combien il vous doit exactement. Monsieur, quand ma collègue l'a servi, c'est ma collègue qui lui a servi à boire. Ce que ma collègue a servi, 2700 pour la boisson. Puis moi, je lui ai donné deux plats de sauce au piment. Et la tête de poisson, regardez un petit garçon comme ça, lui seul, il mange deux têtes de poisson. Sans compter qu'il me dit d'apporter un de plus. Bref, là n'est pas le problème. Les têtes de poisson, c'est 1500 l'unité, ce qui fait 3000. Plus la part de ma collègue, ça va faire 5. Vous comprenez, 5700. Maintenant, paye-moi. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas de me dire de patienter, qu'il viendra me payer demain. Mais pourquoi? Est-ce que c'est demain que je l'ai servi? Qu'est-ce que j'irai dire à mon patron? Gare. Laisse-le. Est-ce une raison suffisante pour le tuer? Tu n'as pas besoin d'être brutal. C'est Dieu qui vient de te sauver et te dire de me laisser. Tu dis? C'est Dieu qui vient de te laisser. Laisse cet homme tranquille. N'essaye même pas de m'énerver. Gare, écoute, si tu dis que tu n'as pas peur de moi, touche-moi encore. Je vais Monsieur, payer vous pour entendez lui. Ce qu'il... Est-ce qu'en bagarrant, tu auras l'argent? Je vais donner un bon coup de poing à ce gars. Tu demandes de le laisser. Tu vois comment tu m'arrêtes, hein? Je te jure, ça sera toi et moi. Si tu me laisses, tu verras ce que je vais te faire. Monsieur, vous entendez? Il ne faut pas qu'on dise que j'ai tué quelqu'un. C'est lui-même qui me laisse-le. Demande. Laisse-le. Tu ne sais même pas ce qui se amuse. Je pense. Écoute, mon ami, c'est ton argent que tu veux, n'est-ce pas? Je veux mon argent. Ok, mon argent. Ça va. C'est Dieu qui a demandé que tu me laisses. C'est Dieu qui a demandé que je te... Viens, simplement. Tu dis que c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est parce bon, que c'est bon, laissé. Ok. C'est bon. Je dis que si tu ne m'avais pas laissé maintenant, tu allais voir ce que j'allais te faire. Daniel. Hein? Daniel, encore toi? Daniel, encore toi? On verra bien. On verra ça. Papa? Mon fils. Papa, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. Parce que je sais que moi, Daniel, j'ai utilisé mes propres mains pour te tuer. Daniel, écoute, c'est mon mauvais côté que tu as tué. Le père irresponsable que j'étais à cette époque, comme tu peux le voir aujourd'hui, je suis en vie. Tu es en vie et c'est pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi. Et non, à l'état, nous avons souffert. Papa, Takatakasan Nandinga, ouais. Daniel, en même temps, ce n'est pas comme si je voulais. Hein? Détends-toi. Comme si. Daniel? Comme si, je vais te poser une simple question et je veux que tu me dises la vérité. Je t'écoute. Que viens-tu faire ici? Où est Nora? Où est mon enfant? Danny, Nora va bien. Et Nora a besoin de toi. Et même ton enfant a besoin de toi pour que tu sois un père pour lui. Daniel, écoute-la. Je sais par quoi t'es passé. Je sais ce que tu as dû subir. Oui, bien sûr, je sais que je vous ai abandonné. Mais Daniel, j'ai fait une erreur. Et toi, mon fils, je ne veux pas que tu fasses la même erreur. Retourne chez ta future épouse. Retourne et faites-en la paix. S'il te plaît, mon fils. Daniel, ton père a vraiment raison. Ton père a absolument raison. S'il te plaît, mon fils. T'as compris. Je vais faire comme tu as dit. Merci, mon fils. C'est tout ce que je voulais entendre, Danny. Je ne vais pas me presser. Je vais prendre mon temps. Que vous le vouliez ou pas. Mais Daniel,
Pourquoi prendre tout ton temps? Ne fais pas comme ton père dans le passé. S'il te plaît, prends tes responsabilités. Biko. Biko. Qu'est-ce que tu fais là? Nora. Nora, je sais que je t'ai fait du mal, beaucoup de mal. Mais je te demande pardon pour l'amour de Dieu. Trouve une place au fond de ton cœur. Et pardonne-moi. Biko. Si tu veux me taper, tape-moi. Si tu veux me gifler, gifle-moi. Fais tout ce que tu veux de moi. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Ma puce. Nora. Tu vois, si tu n'avais pas été là. Dieu même sait que Daniel n'aurait pas pu survivre à cette fois-ci. Tu es entré dans sa vie au bon moment. Après ton départ, il m'a supplié de te remettre cette enveloppe. Tiens, c'est sa dernière volonté. Tiens, c'est sa dernière volonté. Le père de Daniel lutte contre grave maladie du sang. Et il pourrait mourir à tout moment. Il peut mourir à tout moment. Donc, voici ses dernières volontés. Qu'il dise qu'il laisse à Daniel son héritage. Alors, il a eu le temps d'apprendre de ses erreurs. Pardonne-lui. C'est une nouvelle personne. S'il te plaît. C'est bon. Je te pardonne. À condition que toi tu pardonnes à ton père. Tu comprends ce que je dis? Alors nous pourrons être ensemble pour toujours. C'est mignon, venez là.